Salut à tous, c'est Kuzari et aujourd'hui on est parti sur Captain Bones. Alors c'est une petite démo, donc le jeu n'est pas encore sorti. C'est un jeu action aventure se déroulant dans un monde pirate ouvert. Donc c'est édité et développé par Shingin Karahan. Voilà, on peut y jouer à la manette et au clavier. Et du coup, on est parti. Hop. Donc on a soit elle, soit lui. Allez, on va prendre lui. C'est parti. Petite cinématique. Ok, apparemment, soit on les attaque, soit ils nous attaquent. Et on se fait éjecter à la mer. Ok. Aïe, ça doit faire mal. Voilà le début de notre aventure. Hi, matey. Et on s'est échoué sur une plage. Ok. Voir les marques de boussole et l'emplacement de la quête active dans la barre. Ok. Du coup, on doit parler à la femme de la nature. Ok, parler. Bonjour marin, vous avez beaucoup de chance d'être en vie. Mais si vous voulez survivre, vous devez trouver de l'eau. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à rester en vie. Apporte-moi les articles suivants. Donc, corde. Ok, elle veut de la corne. Alors, pour la corne... C'était quoi? Ah, là, on peut ramasser de la pierre, tiens. On va ramasser ça en passant. Ça n'a pas toujours ça de prix. Hop. Ok, on a ramassé. Ok, ça nous a indiqué ce qu'on a besoin. Et apparemment on a ramassé ce qu'il fallait pour la quête. Est-ce qu'on peut ramasser d'autres plantes pour ça? Non, on peut couper par contre. Ok, alors après, parler à la femme de la nature. Elle est où? Elle est là. Hop. Ok, ça passe pour finir. Génial! Tu es venu rapidement. Maintenant, apporte-moi ces derniers. Et ne perds pas de temps. Alors, bâton, pierre. Mais ramasser déjà de la pierre. Et ça compte pas, apparemment. Bâton. Ça? Non, si. Ça? Ouais, c'est ça. De la pierre. Ramasser là, non. On ne voit pas pour l'instant. Là-bas, on a de la pierre. Ah, ok, ça, j'ai pas vu, ça marque que c'était terminé. Allez, on va ramasser ça, tant qu'à faire, on les a cherchés, autant les prendre. Voilà, ok. Bon, shift, ça permet de faire des roulades. Ok, on la voit sur la carte, la boussole là-haut plutôt. Elle est ici. Hop, des bâtons en passant. Hop, ok, ça se stack en 10. Hop. Donc un gain de l'XP aussi à chaque fois. Tu dois fabriquer une hache en utilisant le matériau que je t'ai donné. Alors apporte-moi de la noix de coco que tu as cueillie dans les palmiers. Alors, artisanat, hache en pierre basique. Comment on fait?
Ok. Du coup, c'est comme ça. Hache en pierre, on a quoi d'autre? On a que ça. On peut faire de la corne et pierre tranchante. Pierre tranchante, on l'a déjà. Ok. Ouais. Ok, on a une petite animation pour le créer. Sympathique. Parfait, ça y est. On a la hache. On va couper un arbre. Ok. Pour les pourcentages du palmier en bas à droite. En haut à gauche, on doit avoir la faim, la soif et la santé. Ah, il se coupe pas cet arbre. Tombe pas les arbres. Ok. Ça y est, on a récupéré ce qu'il fallait apparemment. Ah si, celui-là, il a disparu. On va en faire encore un ou deux. Histoire d'être tranquille. Ok, chaque coup nous donne quelque chose de différent. Ok. Elle est où? Elle serait là-haut. Oui, elle est là. Allez. Parfait. Avant de mourir de soif, percez la noix de coco que je vous ai récupérée avec le couteau que je vous ai donné et buvez de son eau. Après avoir bu l'eau, vous pouvez couper et manger le reste. Ok. Alors, comment on fait? Artisanat. Hache, corde, pierre, noix de coco, buvable. Ok. On va se faire ça. Ok, pourquoi tu fais ce bruit? Parce que t'as soif? Ah, t'as soif encore plus, hein, personne. Oui, c'est bon, la presque fini, t'inquiète pas. Et notre coco comestible. En pierre, comestible, notre coco vide. Ok, faut qu'on les boive. Alors, on a un inventaire ou pas? Oui. Comment on fait? Bon, on va déjà boire ça. Ok, ça va mieux apparemment. Et avec les noix de coco vides, normalement, on peut faire des comestibles. Mince, j'ai pas envie de boire. C'est fait. Allez, on pourra faire 4 comestibles. Ah, j'en fais 2. Donc, plus comestibles. Ouais. Alors, comment on fait? Ah, ok, on fait comme ça. Si je veux mettre ça ici, j'ai juste à appuyer sur l'espace. Et je vais mettre ma hache. Ok, on va le mettre ici. Parfait. Du coup, maintenant, on va manger. Ah, si je bouge, par contre, ça arrête tout. Ok. Et ça nous réduit un peu la soif. Et ça nous redonne de la santé. Parfait. C'est pas trop mal. Après, faut qu'on aille revoir la femme. Hop. Je veux que vous allumiez un feu de camp sur la plage. Après cela, je vous donnerai les ingrédients nécessaires pour la cuisson. Ok, sur la plage. Je peux pas avancer non plus là. Ah là, c'est où? Structure, là. Ok, j'ai l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Je vais te poser juste au bord. Construire. Construire. Ah. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ok, il faut...
des ingrédients pour le poser et pour le fabriquer? Non, ils me disent que j'ai pas ce qu'il faut, alors sur moi j'ai 7 bâtons. Vous avez les bâtons là? Ah. Ok, il fallait appuyer Q pour tout ajouter. Et là, on peut construire. Ok. Dommage qu'on ne voit pas ce concert petit à petit. Ah, c'est qu'une petite démo, le jeu est loin d'être fini. Voilà. On peut aller la revoir. Pour l'instant, c'est sympathique. Hop. Je veux que... Ok, ça c'est fait. Vous avez maintenant tous les ingrédients dont vous avez besoin pour cuisiner. Utilisez le bâton de feu et allumez un feu. Faites ensuite cuire le poisson cru que je vous ai donné. Ok, donc elle nous a donné un bâton de feu. On va aller voir ça. Est-ce que je peux avancer quand je suis dans l'inventaire? Non. Le bâton de feu, on va le mettre là. Hop. Ok, allez, on y va. Alors, on allume. Ah là, on a la petite animation, c'est sympathique aussi. Dommage, il est pas dans le... Dans le feu, il est à côté. Parfait. Après. Ouh. Ok. Pas s'approcher trop près. Allumer le feu, je peux pas intervenir comme ça. Passe par ici, apparemment, Marc. Ok. Ah, sympathique la petite animation pour cuire le poisson. Ok. Faut qu'on puisse les trois. Voilà. Allez. Ça c'est fait. On va la voir. Alors. Il est maintenant temps de pêcher. Je veux que tu attrapes du poisson pour moi. Vous pouvez utiliser la canne à pêche que je vous ai donnée. Ok. On est obligé d'aller sur le ponton, on peut aller juste au bord de l'eau. On va voir vite ça. Hop. La canne à pêche, on va la mettre ici. Hop. Ok, une petite animation pour lancer la canne aussi. Donc on n'a pas besoin d'être sur le ponton. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu du poisson. Pour attraper du poisson, vous devez lancer votre canne près des poissons. Ah, on doit voir où il y a des poissons du coup. On va voir. Allez, on va ramener de là. Là, il y a un poisson là-bas. On le voit, il est juste là. Ok. Cette fois, on l'a eu. Enfin, j'espère. Oui. Voilà. Allez. Hop, on prend une petite photo. Hop. Et on ferme. On va voir si elle donne bien. Hop. Ah, ça a pas marché là? Ça a pas marché, ok. Et allez, les petits poissons. Voilà, cette fois, on l'a eu. Ok, notre feu est indiqué sur la carte aussi, c'est pas mal. Allez, on va voir la femme. Femme de la nature.
Voilà. Si vous voulez survivre, vous devez savoir utiliser une épée. Essayez de me tuer avec votre épée en bois. Si vous gagnez, je peux vous donner une véritable épée de pirate. C'est mon épée dans le passé, mais je me bats plus. Peut-être plutôt dire la battre, pas la tuer, non? Parce qu'elle pourra plus rien nous donner, hein, si on la tue. L'épée, on va la mettre en deux. Hop. Et t'es où? Ok, on peut verrouiller. Ok, on peut pas donner des coups à la suite. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Hop. Finir. On a eu notre arme. Il y a beaucoup de serpents sur l'île, il y en aura plus sur d'autres îles. Vous devez apprendre à trouver et à tuer les serpents. Il est trop dangereux d'utiliser votre épée pour faire cela. Vous devriez fabriquer quelques lances pour la chasser. Pour la chasse, je vais réussir à le dire. En outre, vous pouvez essayer vos compétences de visée dans l'arrière-cour. Ok, à l'arrière-cour, je suis pas sûr qu'il y en ait une. Ok, du coup, on va essayer de fabriquer une lance. Bâton, c'est plus par là, non? Pierre, hache, lance. Peau des pierres tranchantes. Et la corde. Ça, c'est tout en haut, non? Corde, c'est ici. On va fabriquer, parfait. Pierre tranchante, on peut en faire une. Hop, et il nous manque une corde. Allez, c'est parti. On va essayer de chercher. Hop, on en a ici. On n'a pas d'autres. On va en avoir un peu plus sur nous. Ouh, c'est ça leur serpent? Ça fait mal. Corde. Voilà. Ça, c'est fait. Parfait. La lance. Alors, la lance, on va la mettre ici. Hop. Et ce sera elle. Alors, petit serpent, tu étais où? Là. C'est ça, hein, c'est toi, là. Ouais. Alors, pour viser. Que si je vise sa tête, ça va marcher. Oh, 121. On récupère pas notre lance par contre. On récupère pas notre lance. Ça c'est dommage. Hop. On va manger ça. Il y a un serpent pas loin. Ici. On récupère un peu de vie. Pas bien utile. Et on a soif. Parfait. Voilà, on est à fond. Et si tu veux pas me parler, dis-le. Hein. Voilà, j'ai une dernière demande de votre part. Okay. Construire un radeau et sauver mon ami de prison sur l'île opposée. Vous devrez voler les clés au shérif, sauvez-le et rapportez-le-moi. Je donnerai un secret si tu réussis. Ok, donc faut qu'on se construise un radeau. Alors, voilà, radeau, c'est là. Alors, 4 cordes, 5 bâtons, il manquerait du bois. J'en ai que 4. On va faire gaffe au serpent, du coup. Non, pas du palmier, du bois, s'il te plaît. Voilà. Eh, je veux du bois. Pas très généreux en bois.
Ça c'est bon. Voilà. On finit l'arbre, au moins on sera tranquille. Voilà. Alors. Déjà aussi, on va s'équiper. Et on va en XP. Nous le faudra. La petite épée. Ok, ils appellent ça un couteau. Mais... Hop, ça c'est fait. Après, le radeau, il est là. Hop. On peut pas le poser? C'est quoi ce bordel? Ok. Construire. Pas les articles requis. Ok, là tu dois les avoir. Marteau de pierre requis. Ok, c'est quoi ce marteau? Ok, il me faut bois, pierre et corde. Alors, où est-ce qu'on va trouver les bâtons? Là, il y a un serpent là, on va l'éviter. La corde, on pourra en faire là. Voilà. La pierre, on en a là. Hop. Je sais pas s'il y a une limite de poids. Ça n'a pas l'air en tout cas. On va voir. Non, il n'y a rien de marqué. Alors. Faut que je fasse ma corde maintenant. C'est parti. Allez, on est bon. Hop. On peut faire notre marteau. Ah, il me faut une pierre tranchante. Où est-ce qu'on les fait? Là. Là, ce sera bon. Ok, il utilise bien les deux cailloux pour faire la pierre tranchante. Pas mal ça. Et... Ah, il ne faut pas une pierre tranchante, je crois. J'ai dû regarder ça. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Allez, on aura notre marteau. Je présume qu'il nous le faudra en main pour l'utiliser. Hop. On est parti. Il est où notre radeau? Là-bas. On a un petit bateau là. Sympathique. Il y a quand même l'animation dans le monde. C'est pas mal ça. Là-bas, je vois une île. Ah, mais c'est là-bas où on doit aller. Ok. Allez, on construit. Oui. Comment ça? Ah, il manque une corne. J'avais pas vu. C'est parti. Dommage là aussi, il n'y a pas d'animation de construction. Du bateau qui se construit petit à petit. Ça aurait été sympa. Alors. Hop. Parfait. Tu fais quoi là? On peut voter là, quoi. Tu fais quoi? Pourquoi tu t'es mis comme ça là? Oui. Je crois que je suis bloqué. Je vais rien faire. Faire ça. Faire shift. Non, ça n'a pas marché. Je sais pas du tout là. Je peux plus rien faire. Pourquoi il s'est mis comme ça? Continuer les contrôles. Je peux même plus bouger à droite ou à gauche.
C'est bon, j'ai dû quitter le jeu et revenir. J'avais peur que la sauvegarde n'y soit plus. Mais c'est bon. Vu que c'est une démo. Ah non! Mais il veut pas. Ah, ça y est. J'ai eu peur. Allez. On est parti. Donc on doit aller là-bas. Ok, en bas on a rétablir à deux. Ouh! Qu'est-ce que. Ok, il se barre tout seul, j'ai pas le temps de changer d'arme. Ok. Ok, c'est l'état de la voile. Donc on peut diriger la voile pour qu'elle soit à 100% en plus de vent. Nous on doit aller là-bas, à 41. C'est quoi, c'est des... pas des mètres. Qu'est-ce que c'est leur unité? Ok, l'île commence à se former. Ça a l'air d'être fortifié déjà. Ah! Ok, on a juste à lâcher et ils nous lâchent. Et petite animation d'arrivée sur l'île, enfin vers l'île. Je pense pas qu'on puisse se poser là. Je vois qu'il y a une plage là-bas. Il y en a, il y a rien d'autre hein, avec cette plage. Hop, 100%. On trouve une clé de prison. Et qu'on doit parler à Jack. Par contre, et oh, je vous ai vu. L'état de bateau a été. J'ai pas pu l'attaquer. Ok, il est pas possible, lui. On peut pas l'attaquer, par contre. On ralentit, hop, on arrête. Jeter l'encre. Non, jeter l'objet. Tout à l'heure, on avait jeté l'encre. Ok. Donc, nous. On arrive là. Ah, il y a de la petite animation. Les gardes. Je sais pas s'il va avoir une épée. Non, ça n'a pas l'air de déranger. Ok, il danse avec de la musique. Ok. Ah, j'ai vu un truc là-bas. Ah, saloon. Des recherches. Ok, on peut faire du commerce ici, on peut acheter la boisson. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que c'est? Inspecter, déverrouiller. Pour déverrouiller, vous devez appuyer sur le bouton de déverrouillage lorsque les flèches supérieures et inférieures sont verticalement proches. Ok. D'accord. Je sais pas si ça marchait. Oula, je suis peut-être un peu loin. Non. Là, faut vraiment être proche. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'était bon. Ah, voler. Ok. Oh, d'accord. Voler, c'est pas bon, là. Faire attention à ce qu'on fait. C'est bon? Ils m'ont lâché? Non. Il y a un garde là. Ah, c'est bon, s'ils nous ont pas vu les gardes. Pas rien. Ça reste longtemps ou pas cette interaction? Parce que je vois que là-bas il y a l'endroit où on doit aller. Ah, il y a des endroits fermés aussi. Ah, on peut aller dedans. Dans une église, tiens. Ah, parfait, ça s'est arrêté. Allez, on va aller voir. Là-bas. Sur lui qui a notre clé. On peut se baisser, oui, on peut se baisser. On peut voler comme ça. Hop. Pas voler. Ouh, il est bien interdite. Enfin, restreinte.
Et la personne qu'on cherche, elle est là-dedans, juste là. Il faut qu'on lui vole la clé. Peut-être là. Je peux pas. Pas voler. Peut-être trop loin. Ah si, on peut voler. Faut être proche, proche, proche. Tu dis rien là? Ah non, là, je peux pas voler. Ah. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ah, il est au sol. Ah, et nous aussi, on est au sol. Hop. On va manger un bout. Hein. La vie remonte quand on est très bas, par contre. Elle remonte toute seule. On va manger encore un bout. Je sais pas si on peut là. Voilà. On va reprendre ça et on va aller libérer notre compagnon. On est recherché maintenant. On l'a tué. Ok. Ok, faut qu'on ait sûrement la clé en main. Elle est où la clé? On va la mettre en dernière position. Hop. Mais c'est un squelette. Il est déjà mort ton compagnon. Ah, une petite cinématique. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Oh, on se transforme en squelette. Qui explique le nom et le petit icône sur le nom du jeu. Ok. Donc, un capitaine squelette. Ok. Parfait. Un petit squelette recherché. Où est notre bateau? Il est là-bas. On va vite y aller. On va se faire repérer. Ouh, d'accord. Cette histoire doit être suivie dans la version complète. Captain Bones est en cours de développement et vous avez encore une chance d'améliorer le jeu. Vous pouvez rejoindre notre groupe, ok? Ok, d'accord. Bon, bah, on a fini cette démo qui était très sympathique et très prenante. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. A plus.